savez, les gars, pourquoi Tim nous a dit de venir ici? Jack, tu sais? Absolument pas. Et toi, Greg? Aucune idée. Je crois que je l'ai pas souvent au téléphone, Tim, non plus, donc tu vois, qu'ils nous disent tous les quatre de venir ici, déjà, ça me surprend un peu, mais bon. Voilà, j'espère que ça coûte pas une blinde non plus, quoi. En même temps, c'est lui qui nous invite, donc... Il y a ouais, bien, ouais. Mmh. Ouais, j'espère. Oh, toi, t'as la bière alors, Jack? Ça va, toi? C'est pas ta femme qui est enceinte, c'est toi, du coup? Celle-là, ça va. Non, ouais, toujours après une bonne affaire, je prends toujours une bonne bière. Ouais, t'excuses pas, tu fais du fric, ça va aller, non? Tu serais mieux t'intéresser aux cultures qui t'entourent. Personnellement, hein, je m'adapte. Oui, écoute. En conséquence. Voilà. On se plaint pas des masses, ce verre. Hein. Ouais, une sacrée descente. Gorge profonde. Mais à propos, Tim, que nous vaut le plaisir de nous avoir invités là? J'ai besoin d'une raison pour vous inviter, les gars. Moi, je vais pisser, les gars. Je me prends un verre. Parlons de portée, t'en es où, toi, avec les gamins, là? Ça se passe bien, tu gères? Bah écoute, ouais, ça se passe bien. D'ailleurs, j'en ai un troisième qui arrive, là. Ouais, non, franchement, tout va bien, tout va bien. Bah, et sinon, toi, ta femme et tes gosses, ça se passe toujours bien? Nickel, elle a mis 4000 bornes entre mes gamins et moi. 4500 bornes. On connaît le trajet, toi. Sans doute. Les affaires, du coup, en ce moment, comment ça roule? Oh bah écoute... ça va, hein. C'est ce que c'est, hein. Boulot. Grand besoin de vacances. Hein. Parce que j'ai réussi à vendre un petit bijou, quoi. Enfin, une espèce de grosse maison retapée, une grosse ferme à un couple d'anglais. Putain, je crois que là, j'ai fait mon mois, là, tu vois. Ça va avec tes goûts, quoi. T'es bien. Oh bah écoute, attends, y a pas de mal à. Ah non, j'ai pas dit ça, bien, j'ai pas dit ça. Tu sais, hein, on vend des produits de qualité, quoi, tu vois. Oui, bah, c'est. Non plus. Non, bah, fâchez pas, hein. Je dors plus, je trouve plus le sommeil. Tu dors plus pourquoi? Les problèmes d'insomnie. Problèmes d'érection, non? Demande à ta femme. Super. Vous rappelez pas? Ça doit remonter là, je sais plus quand, mais ça fait un bail. T'avais cette espèce de couple d'Allemands, mais tu sais, les. Typiques quoi, les Allemands typiques Oui, quoi. Je me souviens. C'est l'appareil photo, tout. Enfin, vraiment le bronzage, enfin dégueulasse quoi. Ah, je me souviens, alors on s'était fait passer pour des stars. C'est ça, Je crois qu'ils t'avaient appelé Marlon Brando, c'est ça? Marlon Brando, je crois, ils avaient mentionné. C'est ça, Marlon Brando, c'est ça. Mais carrément. C'est ça. Bon, on m'a souvent dit que c'était Russell Crowe. Ouais, bah, carrément, mais ça se trouve. C'est ça. Non, et c'était. Et toi, non, je sais pas. C'est à moi que tu parles. Ouais. C'est à moi que tu parles. Ah voilà, ça, et ben ça, Cassel, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, tu vois, de qui? Oui, aussi, c'était Cassel. Voilà, Vincent Cassel. C'est l'histoire de mecs qui tombent du 50e étage. Et à chaque étage, ils se disent, jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Thank you.
Moi, il y a un jour, j'ai décidé d'aller bien. Voilà. Un jour, je me suis dit, tiens, si j'allais bien. Il se passe quoi après, que tu te sois éclaté, là, comme ça, un jour de la vie, et puis sans réfléchir aux conséquences? Il y a un moment, il va falloir que vous acceptiez qu'il n'y a pas que vos vies qui sont vos vies, quoi. Et ça te fait marrer, mais marre-toi. Bon, écoutez, les gars, on est venu passer un bon moment, là. Bon, grâce à Tim, là, il nous a invités. C'est réussi? Je sais pas. Ça s'est réussi, ça a bien démarré. Bon, après, voilà. Mais ça fait rire quand même. Je veux dire, c'est pas. Je la vends pas. Tu demandes des frics à ton pote pour aller partir en tournée. C'est, je sais pas pourquoi tu dis ça, du coup. Je sais pas pourquoi tu rebondis là-dessus. Ça m'interpelle le fait que fais valoir un truc. C'est bon, les gars. Tu coupes, mais tu vas au bout de ta pensée. Je n'aurai de rien. Et tu lui donnes pas son fric. Et je suis. Ouais, je comprends pas comment tu. Non, mais il est juste. Pardon. Vas-y. Franchement, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui te fait marrer? Moi, ça me fout. Essentiellement, qu'est-ce qui te fait marrer? Ah, mais j'ai même pas envie de me marrer, là. Je sais que tu profites de son. De qui il est. Et je trouve ça. Moi, c'est détestable. C'est détestable. Mais Greg, est-ce que un jour, t'as décidé d'aller bien? Est-ce qu'un jour, t'as décidé de te dire: allez, tiens, demain, je vais aller bien? Parce que selon toi, ça dépend que de ça, un choix de dire je vais bien ou je vais pas bien. C'est ça que tu nous dis? Mais je m'en fous. Mais un point. Mais je m'en fous, mais comme ça, dans ça, je m'en branle. Non, mais c'est m'en vais, c'est un Je m'en branle. Je m'en fous. Ça, je trouve ça nul. Je trouve ça facile, nul, surtout de ta part, maman. Ah ouais. Surtout de ta part. Pierre Babel. Voilà, super, toujours. Puis c'est facile pour toi, Jack. Hein. Tout le temps, t'es extérieur. Et c'est facile. Non, attends, tu restes dans ton rôle, c'est nickel. Excuse-moi, mais franchement. Si on doit se retrouver, on peut aussi parler d'autre chose, quoi. On n'est pas obligé de toujours reparler de choses dures. Si on est des amis, comme tu dis. Encore une fois, un comportement facile, je trouve, par quelqu'un à qui on donne tout. Putain, excuse-toi auprès de lui, quoi. Tout le monde me fout sur la gueule. Vas-y, je me casse. Allez. Pour quelle raison? Allez, on parle tant parce que tu... Allez, on m'oublie. C'est bon. Je n'ai rien à foutre d'être là ce soir, honnêtement. Ah bon? Non mais c'est... Ailleurs aussi, t'aurais pu me faire ailleurs si t'avais envie. Je sais pas comment... Allez, vas-y. Tu nous auras quand même gâché la soirée. Hein? Changer l'impression. Putain, mais j'en ai vraiment trop marre de vos conneries! Marv. Tu vas crever.